YouTube Greu. C'est Sean Kazma YouTube, j'espère que tu vas bien, on est back de retour aujourd'hui, messieurs dames, pour l'épisode 4 de notre aventure incroyable, effroyable, godesque, titanesque, olapianesque, je sais pas si ça se dit, bref, ça passe, étier bestial, giga shad. Alors, nous avons trouvé la flamme de l'Olympe, et avec ça, potentiellement le repère de Flash. L'Injustice League va bientôt perdre tous ses membres. Oh, il y a Pétunia sur les fenêtres. Oh, c'est joli, eh. Oh, incroyable. Alors, attendez. Parce que du coup, on venait d'arriver dans cette zone. Et ça me dit de pas hésiter à utiliser la tête d'Hélios. Qui est devenue ma lampe torche personnelle, en fait, hein, si jamais. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent, messieurs, dames. Welcome back. De retour pour la suite. On a fait une petite pause depuis épisode 3. Et normalement, si on gère bien les choses, on devrait avoir le temps aujourd'hui de faire 3 VOD. Donc on va être gourmand. Et dans cet épisode, on devrait passer les lames au niveau 4. Et ça, ça fait danser les rats. On va essayer de manipuler ce truc. La poignée de la manivelle est rétractée, elle ne peut pas être utilisée. D'accord. Alors je sais pas, à gauche ou à droite? À gauche où tu viens de passer, il y a un truc. Ah bon? Où ça? À gauche où je viens de passer, il y a un truc. Attendez, parce qu'apparemment tout le monde l'a vu sauf moi. Utilise la tête dans cette pièce sur les murs. Mur invisible au fond. Mmh. Ah! Oh, Dakodak. Oh, c'est du lore étendu, incroyable. Ah, ça marche comme ça aussi. Trop bien. La flamme de l'Olympe. La mort guette ceux qui touchent la flamme. Dieu, mortel ou même titan. Mais ce pouvoir n'est rien comparé à celui que protège son cœur. Ok. Ah. Tiens. Ah, c'est les trois juges. Oh putain, c'est les trois juges. D'accord, ok. La balance du pouvoir. Les muses guident les âmes dans la vie, les trois juges dans la mort. Et dans le royaume entre les deux, la clé de la flamme décide de l'équilibre du pouvoir. Ok. Mais du coup, tout ça, c'est de l'annexe, en fait, c'est pas nécessaire. Enfin, c'est stylé, mais... Les juges d'Hadès. Le destin de l'Olympe repose entre les mains des juges. Ce sont eux qui tiennent la grande chaîne et décident ou non de la lâcher. Et dès qu'ils vont la lâcher... Ça va partir en steak. On continue l'histoire. Ok, oula. Oula. Mais c'est mon dildo. Mais rendez-le moi, je le cherche partout depuis un mois. Waouh. Bande de méchants. Les muses, la musique révèle les secrets à ceux qui désirent les entendre. Accompagnez de votre voix le chant des muses et déchargez l'Olympe de son fardeau. Ah, accompagné de votre voix, le chant des muses et déchargé le nom de son fardeau. D'accord. J'avais pas compris. Et du coup, dehors, là, sur le balcon, il y a des coffres. Let's go. Attends. Voilà. Ok, scénarium. Équipement du fardeau. Portant le poids de l'Olympe, l'équipement du fardeau est difficile à déplacer. Et exige un grand sacrifice pour libérer le cœur du labyrinthe. C'est moi sous le poids en haut à gauche, là? Ouais, alors on va s'en passer, hein. Je veux bien faire tout le reste, mais... on va y foutre Hermès, hein. Ok. Cœur du labyrinthe. Ah, est-ce que ce serait pas Pandore qu'on a vu dans sa cage tout à l'heure? Dans le cœur du labyrinthe, bat une passion assez puissante pour éteindre la flamme de l'Olympe et pulvériser le pouvoir qu'elle renferme. Oh, cet univers. Oh, cet univers. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Donc là, vous me dites que par là, ce n'est qu'annexe, c'est ça? Ça a pas l'air d'être de l'annexe. C'est pour de l'annexe. C'est pour des... Ah! La boîte de Pandore? La boîte de Pandore. Qu'est-ce que cela signifie? Tes yeux ne te trahissent pas, Kratos. C'est la boîte que tu as ouverte il y a longtemps.
Elle renferme encore le pouvoir de tuer un dieu. J'ai libéré ses pouvoirs lorsque j'ai tué Arès. Non. À l'intérieur de cette boîte, le pouvoir est plus grand. Et il fait défaut à ce monde. Tout a commencé quand Zeus a triomphé des titans lors de la Grande Guerre. Zeus a compris que si les mots nés de cette bataille étaient libérés, il détruirait le monde des hommes et des dieux. Pour contenir ces mots, Zeus a demandé à Héphaïstos de construire une boîte suffisamment robuste pour les retenir. La peur, l'envie, la haine. Il a verrouillé ces mots à l'intérieur en espérant qu'ils n'infecteraient plus jamais son règne. Quand tu as ouvert la boîte pour tuer Arès, tu as utilisé les pouvoirs interdits. Après avoir été témoin de ta victoire, Zeus a eu peur. Mais la flamme est mortelle. Comment puis-je récupérer la boîte? Grâce à son homonyme, Kratos. Pandore. C'est la clé pour détruire la flamme. La clé de notre vengeance. Ce sera difficile, Spartiate. Ce n'est pas une enfant qui va m'arrêter, Athéna. J'espère que tu as raison, fantôme de Sparte. Tu as peut-être une force bestiale, mais tu manques de vitesse. Tu fais chier, Hermès. Oui, merci pour le follow. Ah, attendez, on m'a dit que du coup j'ai loupé un truc par là. Que j'ai pas vu. Deux fois. Bah, qu'est-ce qui n'est pas vous? Ah! Ah là! Oh la vache! Ah oui, d'accord. Bah, c'est la Fortuna! Ok, excellent. Vraie question, tous ces trucs bleus là, on en croise partout mais on peut pas les briser, c'est chiant. Attends. Non, ce mur s'en bat les couilles. Ce mur s'en bat les couilles. Ah oui, ok, donc c'est pas que les endroits où ça floutit, où ça pétille, d'accord. Hermès va passer un très 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 sale quart d'heure. Tu m'étonnes. Ouais. Deux petites secondes. Parce que là, très clairement, il me cherche. Donc. L'âme de niveau 4. De sorte à ce que le checkpoint se rappelle que je l'ai pris. L1 plus carré. Courroux du tartare. L1 plus triangle. Nouveau compteur toison d'or. Ah, ça augmente la toison aussi. What the fuck. Et ensuite, il faudra 10 000. Pour augmenter le courroux du tartare et l'armée de Sparte. Et eh ben, let's go. Et du coup, la porte à l'opposé, c'est pour plus tard, c'est ça? Attendez, hein, moi je fais mes affaires, hein, il s'en branle de moi, donc je m'en branle de lui. Hein. Bataille d'ego. Cette porte est verrouillée, yes. Ok, Flash, on y va, on se la donne? Ou j'ai le droit de save? Non, j'ai le droit de save. C'est pas un bâtard. Ok. Et eh ben, ça commence tout de suite sur la combat d'un boss, moi ça me va. Mais du coup, donc Pandore serait la clé de la boîte de Pandore. Oui, ça paraît logique. Tu as été chanceux au combat, Spartiate. Mais ta chance va tourner. Comment oses-tu croire que tu pourrais m'attraper un jour? Il a pas forcément une belle gueule, hein, mais par contre, il a énormément de flow, je trouve. Donc, ah oui, il y a encore des coffres ici. Eh ben, ouais, je m'attendais à une arène, en fait. Si la bagarre, c'est une course, on va pas s'en sortir. Hein. T'as dit quoi, ça? Plongé dans le chaos, les humains ont payé le prix fort pour la mort de Poséidon, Hadès et Hélios. Les terres ont été englouties sous les flots, le ciel s'emplit de nuages menaçants et de terribles tempêtes. J'ai une vraie question. Si ce livre raconte l'histoire, deux choses...
Est-ce que quelqu'un a pris le temps de l'écrire ou est-ce que ça s'écrit tel que le monde évolue? Genre par exemple, si je pisse au-dessus de l'Olympe, est-ce que ça va être raconté dans un livre? Ou est-ce que c'est parce que notre combat, en fait, dure depuis des millénaires? Ça se trouve, t'as l'impression qu'il se passe une heure et demie, mais en fait, pour le monde des hommes, il se passe des siècles en fait. Comment je vais là-bas? Ah oui, je plane. J'ai un connard, je plane. On y va! Ok. Oui, non? Par là? Ah, par là. Ah, et là, il veut pas. D'accord, c'est la même texture, mais nique ta mère. Ok, on arrive, Hermès. On a une lame de niveau 4. T'inquiète, ça va bien se passer. Alors, je le vois, mais comment je l'atteins? Comment je t'atteins? Comment je t'atteins? Ah, d'accord, ok. Quelle lenteur! Oh, ça va! Pète couille, hein! Oh là là! Wouh! On est bien! Est-ce que Brézé est de la partie? Ni que toi. Les gueux, poussez-vous! Ok. Par contre, qu'est-ce que vous foutez ici? L'Olympe m'accompagne, mortel! Allez, on se dépêche! Non, on se. Ah! Non. Sérieusement? Sérieusement? Il me coinçait de quoi? Ah! C'est pas grave. C'est pas grave. On est sur PS3. Mais on joue sur PS5 à la version remaster. On est là. Allez, et on commence de plus haut. Voilà. Merci. Action, réaction. La vitesse de l'Olympe m'accompagne, mortel. Et là, il est bleu. Pour une raison que j'ignore. Allez. Eh ben, c'était dur, hein. Oui, comment? Attends, est-ce que je dois... Ouais, sauter sur le bas. On est là. J'arrive. Pas de panique. Je suis sûr il y avait un coffre. Est-ce qu'il y avait un coffre? Attends, est-ce que j'ai loupé l'occasion d'obtenir un coffre? Il a des chaînes avec des larmes, au secours. C'est le doublage du roi dans Shrek 2. Incroyable. Attends, non, c'est bon. Non, en vrai, je pense pas, ils m'ont mis des coffres sur la route, ce serait bâtard. C'est drôle, non? Arrête de te foutre de ma gueule. Aime pas ça, hein. Quelle lenteur! Une lenteur, oui, mais une lenteur est chez Bestial. Je bouge ma carcasse. Casse les couilles, hein. Attends. Oui. D'accord. C'est pas évident, les touches, hein. Nya! Presque spartiate, mais tu devras faire mieux. Putain, c'est rapido et moi je suis Rasmo. Est-ce que je peux remonter? Non, je peux pas remonter. D'accord. Allez, on y va. V2, le pont s'écroule, on recommence. Ah, tu m'emmerdes! J'ai envie de te tirer dessus, hein. Ah, il s'en fout, d'accord. Allons-y. Fuyez! Ok. Oh, ça va. Let's go! Ok. Et là, je fais quoi? Ok. Mise en scène sur 20. Il est coincé? Attends, il est vraiment coincé? Fous de ma gueule. Non, il est pas coincé. Bah, bien sûr, il est pas coincé, il en joue. Mortel fainéant! Oh, mais tu m'emmerdes! Et t'as une sale gueule en plus! Et. Maintenant! On y va! Voilà. Mia! Ok, action! Il me refaut une God of War 2! Ah! Sauf que cette fois j'ai Zeldika, enculé! Youhou! On y retourne! Oula! Y'a du vrai monde, hein! Y'a du vrai monde! Qu'est-ce qu'il fait? Il se casse! Allez! Nettoyage dans l'allée 3! Parce qu'il faut bien arrondir les fins de mois! Ah, c'était compliqué, hein! L'ère grecque, c'était le moment où j'avais le moins de tunas dans ma vie, quand même, hein! Ah! Calme, Philippe, calme! Achève-le! Lui, là! Mais, oh! Voilà! Vraie question, comment on ouvre la porte? Allez, une échelle à côté. D'accord. Là, j'ai rien besoin. Oui, vas-y, un PV, ça fera la différence si jamais. Si
on l'avait affronté en cuisine, il serait déjà mort. Si on l'avait affronté en cuisine, il n'y aurait même pas eu de combat. Je l'aurais déjà jugé sur sa tenue, sur sa cuisine, et ensuite sur son plat. Tu ne le sais pas encore, Hermès, mais ta cuisine t'a déjà rendu mort. Oula, 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 on y va, on y va, on y va. On y va, on y va. Ok, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait? Moult animation, hein. Moult scénarisation, hein. Moult cinématique. Ok. Est-ce que c'est une statue d'Athéna? Parce que si oui, elle est incroyable. Masterclass. On y va. Ok. À fond les ballons. Allons-y. Messieurs, dames, pas de panique à bord. Le fun et la vitesse. D'abord, let's go! Le respect de vouloir tout fracasse encore, toujours, tout le temps. Bon. Là y'a rien. Hermès est coincé? Il est pas coincé, Hermès. Non, il est pas là, hein. Non, non, il est pas là. Par contre, je vous avoue que je voudrais bien un combat de boss contre lui. Oh là, oh là, oh là. Par contre, il a pris cher. Il va pas l'admettre, hein. Mais il a pris sacrément cher. Il arrive encore à speed sur les murs, par contre, hein. Alors attendez, prenons le temps. Prenons le temps, parce que c'est à ce moment là que je vais vouloir me faufiler à aller vite. Et vous allez me dire qu'il manque des trucs. Non, on est bon, on a bien fouillé. Personne me dit qu'il y a un truc secret quelque part. Moi ça me paraît bien, hein. Moi ça me paraît bien. Objet spécial caché derrière la tête, si je me souviens bien. Alors attends, comment on accède derrière la tête? Comment on accède derrière la tête? Moi je vous crois. Oh, la pièce d'Hermès. Mais non, la pièce de Piloufas, la pièce de Rapido, la pièce de Flash, la pièce de... comment il s'appelle? De Flèche. Oh, les indestructibles. Incroyable. Et eh ben voilà. Ça, ça fait plaisir. N'empêche, le jeu est cool, mais il est cassé en speedrun. Tu peux le finir en 40 minutes. En 40 minutes, peut-être pas quand même. Peut-être pas quand même. Oula, il a mal, très mal. Je ne serai pas vaincu par un simple mortel. Et comme toujours, c'est parce qu'il est affaibli qu'on va pouvoir le gérer. Ok. Nique. Toi. Allez. Et il a pris quand même 3 coups, hein. Ah, il prend des coups, il prend des coups quand même. Victoire du Moulinax. T'avais qu'à équiper ta cuisine comme il faut. Il me frappe ou pas? Il me frappe pas, il me frappe pas, par contre il prend ses coups, hein. Ta cuisine est sale, Hermès. Tu ne feras qu'un piètre... Oula, cuisinier. Casse-toi. J'ai eu le temps quand même de retirer la cam et de faire l'action, hein. On est là, hein. Cuisinier reconnu, hein. Ah, l'arc, c'est une bonne idée. Tu bouffes, Hermès, tu bouffes. Tu ne le sais pas encore, mais comme tes frères, tu es déjà mort. Je pensais que les Spartiates combattaient avec honneur. Et tu essaies de me tuer alors que je n'ai aucun moyen de me défendre. Oh, c'est injuste. Mais tu as ton propre sens de l'honneur, n'est-ce pas, Kratos? Et qu'est-ce que l'honneur t'a apporté? Rien que les cauchemars de tes échecs. Aujourd'hui, tu me bats peut-être. Mais en fin de compte, Kratos, en fin de compte, tu ne trahiras que toi-même. Mais ferme-la! Bouh! Bouh! Voilà! Là, tu iras nulle part. Jamais. Ah!
mort! Décapitation! Parce que les kebabs, ça rapporte toujours autant! Donc autant attaquer à la source. Oula! Je mets la lame dans le trou de balle, là. Je mets la lame dans le trou de balle, hein. C'est du mouton! C'est du mouton! Nya! Quel hasard, c'est parfaitement ma taille. Ah, l'enculé, il fait du 38 et moi du 44, j'ai mal. Ah, j'ai mal. Ah, je douille. Ah, putain, j'ai le doigt de pied serré. Ah, la vache. Bon, victoire. Oui. Oh, c'est génial. Oui. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Livraison de chaussures. Incroyable. Ah, c'est stylé. Ah, j'aime bien. Ah, je dis oui. Ah, j'aime bien. Par contre, quelqu'un a sorti une phrase tout à l'heure. J'adorais, j'adorais. Qui fait le malin tombe dans le Styx. Je la trouve très 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 bonne. Je la trouve très 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 bonne. Par contre, du coup, l'ensemble des dieux, c'est pas des boss, hein. C'est juste des mini-jeux. Et... Siou. Ah, il court en ligne droite. Oh non, c'est dommage. J'aurais bien voulu taper des vrais speedruns. Touk touk touk. Ah bah là, ça y est, hein. On court jusqu'à la fin, hein. Restez avec nous, hein. La fin du jeu c'est dans 2 minutes, messieurs dames. Dans 2 minutes. Le temps de m'échauffer un peu, de comprendre comment ça fonctionne. Et puis après on trace, hein. Direction Zeus. On a 800 orbes rouges. Ça pue la merde, j'ai rien du tout. Bon. Et... Spoil. Génial. Oh mais attends. Attends, 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 attends. La fresque elle est en train de raconter l'histoire là. Oh, j'ai vraiment l'impression qu'il se passe du temps, hein, entre le début de l'aventure et là où on en est actuellement. Parce que s'ils ont eu le temps de remettre en image et de réécrire l'histoire, ouais, c'est qu'à mon avis on n'est pas tombé il y a 2 heures dans le Styx, hein. Mais plutôt, oh oh, il y a un long moment. Yasos, on a des vraies capacités. Oh ouais, dans 2 minutes on va finir l'aventure. Juste le temps que je m'échauffe. Là vous me laissez vraiment genre, allez, une bonne minute d'échauffement. Ensuite je me mets en position de course. Et je vous fais une Usain Bolt. Je vous fais une Usain Bolt. Direction la fin du game. 2 minutes, je vous dis, 2 minutes. Cet épisode sera le dernier. Alors que se passe-t-il? Ok, en l'air, appuyez sur R pour esquiver. Ouais. Alors le concept de se battre dans les airs... Bon, je suis pas trop fan. C'est que de la vie ça? J'arrive pas à savoir. Non, si, c'est que de la vie. Il me faudrait de la mana, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me donner de la mana? Dans 2 minutes pile, je vais envoyer c'est la fin, personne ne va comprendre. Bah si! Let's go! Bon, c'est un coup à prendre, hein. C'est ultra scénarisé. Nya! Let's go. Mais ça marche. Et ben Hermès il pue la merde. Voilà. À peine plus fort qu'Elios, hein. Je pique toutes les affaires des dieux. C'est l'irrespect le plus total. Par contre j'admets qu'on aurait pu s'attendre à un vrai combat de dieux, hein, pour le coup. Encore une fois, on aime ou on n'aime pas. Ah, très bien. Nya! Mais c'est vrai que c'est discutable sur certains points. En vrai, le jeu est très stylé. Mais c'est vrai qu'on est sur de la PS3, remasterisé, tout ça. Mais je pense qu'au niveau de la technique, du budget, de tout ce qui aurait pu être alloué, si on avait eu le même budget que pour God of War 4, je pense que... Je suis passé devant un coffre. Oh non, encore!
Je pense qu'on aurait pu faire bien mieux. Ah, sérieux ? Ah, merde ! Nya ! Nya ! Merde, pas lui que je voulais. Bon, j'arrive pas encore à vraiment maîtriser votre part. Hello, boys! Nya! Aïe! Casse-toi! Voilà, cassos. Merde, on peut pas le choper. Nya! Poison dodge! Bleh! Tu es mort. Et toi? Tu es mort aussi. Parce que... Oula! 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 Roll de Troy! Roll de Troy! Et par là, il y a des coffres. Ok. Par contre, j'ai un peu le mort si vous me dites que je suis encore passé devant un coffre. Fais chier, quoi. Non, vraiment, fais chier. Hey, boys! Et du coup, oui, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, effectivement, c'est pas un troll, c'est un cyclope, pardon. Il y en a un qui voit mieux que l'autre. C'est la même merdouille! À mort! À mort! Dans le slip! Allez! Eloy! Eloy! Ah, ah bah d'accord. Ah bah il est vaincu quand même. Eh ben génial. Yahoo! Bouya! Nya! Oh non, ils sont deux. Ah, oh, ils sont deux du tout de moi. Yes, on va se marrer. Allez, on y va. Je vois rien, je suis où? Je suis où? Je sais pas où je suis. Putain, le jeu le savait et pas moi, hein. C'est dingue! Niquez-vous! Ok, 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 ok! Ah! Oui! Oui! Allez, moins un! Ok, 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 ok. Par contre, Chacal, donne de la vie, pitié! Pitié, donne de la vie! Allez, qu'on n'ait pas à se retaper la zone une seconde fois! Wouhouhouhou! Ok! Non! Oh, j'ai essayé un truc, c'est tellement pas passé! Oui, c'est la fin du jeu. Oui, c'est actuellement la fin du jeu. Derrière cette porte, il y a Zeus. C'est pour ça que je vous disais bientôt la fin. Hein. Bon, alors attends. Du coup. Ah, mais là, je suis niqué en fait. Donc, le coffre, il était derrière encore? Merde. Le coffre, il était là d'où je viens en fait. C'est ça? Et ben, tant pis. Ah non, non, mais c'était pas le boss final. C'était le pré-boss final. Bon bah, tant pis. Je passais à côté d'un coffre. Fais chier. Mais du coup, putain, c'est le deuxième par contre. Hein. C'est la deuxième fois que je passe à côté d'un coffre. Ah, ça me fait un peu peur. Ça va me faire défaut. J'ai marre qu'à la fin du jeu, je vais être dégoûté parce que je vais pas pouvoir maxer certains trucs. Ah, franchement, si c'est pas le cas, j'ai le mort. Si j'arrive pas à maxer ce que je veux. Ah, ça va être compliqué à vivre. Hein. Ah, ça va être très très compliqué. Hein. Allez! Cassos! Nya! Et je vais pas utiliser Pétunia pour le premier troll. Cyclope. Voilà! Et on va se le faire normal. Pourquoi tu frappes les humains? Dis-moi! Putain, ce combo, carré, carré, triangle. La max, hein. Combo de base, hein. Combo de base! Ok. Bien, énorme. Bouya! Je sais pas si on peut faire la toison d'or à contre les boules. On va pas essayer. Bleh. Esquive. Bleh. Nya. Bleh. Voilà. Allez, moins deux. J'ai vraiment permis aux mobs de me vaincre contre de la merde. Hein. Ah la vache.
J'ai dit non. J'ai dit non. Ah merde. Oui non, ça passe pas. On l'a dit tout à l'heure. Squeak. Ah d'accord. Ah, touché quand même. On y va. On y va. Je pense que le vrai challenge c'est quand même de faire le jeu au niveau max. Parce que le mode difficile à part le premier, bon. Je veux dire au bout d'un moment ça va. Hein. Ok. Les trois primordiaux. Purée, je passais à côté d'un coffre. Ah c'est chiant. J'angoisse, hein, je suis en train de me dire que j'aurai jamais ce qu'il faut pour la fin. Hein. Je vais retourner étudier. Je vais retourner à l'école des cuistots. Troisième corne. Déjà. On augmente les munitions. Non, par contre, pour de vrai, déjà. Quand tu up l'armée de Sparte liée aux lames, elle peut envoyer des flèches. Oh, trop bien. Trop bien, trop bien. De toute façon, c'est ma prochaine upgrade. Hein. Puis ensuite, on verra bien dans quoi on se disperse. Parce que pour le moment, j'ai pas forcément d'envie. En même temps, j'ai ça. Mais j'hésite pas. Je l'avais dit, hein. À part Chain of Olympus, j'ai pas vraiment beaucoup utilisé les armes annexes. Hein. Let's go! Oh, mon dildo! C'est mon dildo. C'est mon dildo. À moi! Oh oula! Rien qu'à moi. Ouais. D'accord. Bande de voleuses de dildo. Bande de voleuses! D'accord. Donc on est au-dessus de la boîte de Pandore. Les archers sont où? Là. Niquez-vous, vous! Ok. On va laisser les coffres en place si jamais. Petite visite de la zone. Aïe! Mais aïe! Mais oh! Waouh! Hey! Putain, je me tape des pelletés de dieu! Merde! Oh! Ok. Bon, ça c'est la suite. Cette porte est verrouillée. Très bien. Arès. Perséphone du coup. Les chiottes. La chambre à coucher de Zeus. Un coffre. Ok. Ah, c'est sympa, hein. Après, c'est pas grand pour un musée, je trouve, mais bon. Perso, prochain boss, ce sera mon préféré de toute la saga. Et bah, du coup, qui c'est que c'est? Qui c'est que c'est? Qui c'est que c'est? Hercule? Je pense. No spoil, hein. No spoil. C'était pas Perséphone? Ah bon? Bah, c'était qui alors? Si c'était pas Perséphone. Bah si, c'était Perséphone. Elle était même aux Champs-Elysées. Elle était sapée presque pareil. Bah. Bah. Si c'est pas Perséphone, je vois pas c'est qui. Ou peut-être une nana que j'ai pas encore croisée, je sais pas. On dit rien, tu verras bien, tout ça. Ok, d'accord. Ok, ok. Bon, bah direction les chiottes, hein. Pause pipi. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, l'histoire nous l'aura prouvé, hein. Mais Arès était un Doomslayer. Hein. Il a la lame éternelle, hein. Regardez-moi ça. Magnifique, hein. Et même à jouer dans Doom, elle est incroyable, hein. Ok. Donc, pause pipi. Ok. Et apparemment, c'est aussi des toilettes mix. Oula, 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 qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On aime les plans gougouttes. Oh, ce sol qui brille! Oh, c'est beau. Hein. Le flash solaire. Maintenez L2 et appuyez rapidement sur triangle. Nya! Ok, pour la faire apparaître. Nique-toi. Toi, je vais pas t'aimer. Nya! 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 Elle est morte, elle est morte, elle est morte.
Ok, oh! Oui, la reprise de dribble! Attends, elle est pas morte? Comment ça, elle est pas morte? Vous m'emmerdez! C'est bon là? Bien, on enchaîne! Rocamada! Mour? Je lui ai fait une Bane? Je lui ai fracasse le dos? Briser le dos de la sirène permet de gagner des orbes de magie. Quoi? Dans quel monde médical on peut faire ça? Ah mais God of War, ça a lancé des vocations, hein. Des kinés et autres, hein. Pour gagner de la magie, hein. Y'a des Potterheads qui ont fait les deux, hein. Ah, attends. Non, c'est pas ça. Merde. On a dit L2, triangle. Tu es aveugle. Ah, non, tu es pas aveugle. Tu es pas aveugle, malheureusement. Pourquoi t'es au sol? Nya! Reprise de dribble. Bleh. Et maintenant, donne ton dos. Oh, je suis deg. J'aurais dû garder de la vie. Et bienvenue à ceux qui l'ont rejoint, messieurs, welcome back. N'hésitez pas à follow, c'est pas fait. À sub si vous le pouvez. Et à prime si jamais. On y va. Glou 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 glou. Let's go. Donc dans tous les God of War, il y a toujours ce plan. Ce plan escalier spirale. Très à la mode, hein, en ces temps. Par contre, j'avoue, c'est aussi le plus joli qu'on ait vu. Ok. Le visuel est magnifique. Très curieux quand même de savoir ce que valait la version PS3. Parce que pour une remastered, en général, si tu veux, on retaffe un peu, mais... Là, on a quand même droit à quelque chose de sacrément sympa. Ouais, mais j'ai plus de vie, plus de mana, je... Je le sens moyen. Disais quoi? Hein? Oula. Ouais, y'a les commandes PlayStation, là. What the fuck? Attends. Ouais, déjà, on commence par ça. Merci, ça c'est une bonne nouvelle. Ça aussi c'est une bonne nouvelle. Je préfère l'autre, mais si jamais on prend les deux. D'accord. On va manipuler un théâtre. Ok. Nya! Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire quoi? De la vie. Yes. Oui, des bisous à ceux qui nous laissent. N'hésitez pas, hein, y aura les rediffusions de façon sur YouTube en deux cas. D'accord. Attends, fais voir. Lorsque l'épée sera alignée, les notes suivront et les muses vous montreront le chemin. L'épée, quelle épée? D'accord, c'est Guitar Hero. Hein? Attends, je l'ai bien fait là. Non? D'accord. Mais attends, j'ai pas compris le problème. Attends. On avait vu, hein, qu'il y avait un truc à redresser au-dessus, mais comment ça fonctionne? Ah, attends, ça fait quoi ça? Ah, c'est censé former une épée. D'accord, alors attends, là t'as la garde. Ok, pas mal. Pas mal. La continuité. Attends. Celle-là, on change. Non. Encore. Non plus. Encore. Ouais. Pas mal. Tac-tic-o-tuc. La lame me paraît pas bonne. Je pense qu'on doit avoir la pointe. Voilà, la pointe. C'est bon là? C'est bien accordé? Oula. Elle joue avec mon dildo! Ah! Ça prend de fou! Pas de touche! Ça va former Pétunia.
Ô grande Pétunia, je t'invoque. Allons-y. Guitar Hero Style. Ça sent le secret. Je suis sûr qu'il y a un secret à faire. Attendez, je me concentre. Oh la vache. Oh, c'est dur. Oh les salauds, c'était dur. Oula. Ça marche. Ouais, je suis sûr qu'il y avait un easter egg. D'une manière ou d'une autre, devait y avoir un truc à faire avec les commandes. Mais vu qu'on ne sait pas, bah on fera pas. Voyons voir. En fait, c'est plutôt que s'il n'existait pas d'easter egg à cet endroit-là, c'est plutôt ça qui m'étonne. Oh, c'est très 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 doux. La version remastered est incroyable. Je lancerai quand même par curiosité la version... La version PS3. Ok. Bleh. Alors, on peut pas briser les boucliers. Génial. Yes. On peut pas choper. Yes. Attends, on va essayer un truc. Yes. On va s'en sortir. On va s'en sortir, j'ai dit. Putain. Je vais pas y arriver. Non, mais... J'ai pas le temps d'activer la tête d'Elios. Je voudrais bien activer la tête d'Elios. Allez! Putain. Non, mais... Oh, putain. J'arrive pas. J'essaye, hein, mais j'arrive pas. Allez! Tu te couches. Et avec un peu de chance, on va réussir à statufier tout le monde dans cette pièce. Allez, hop, le chignon, on connaît. Merci. C'est bon là? Arrêtez de faire chier! Oh la vache! Ouais, non, la tête d'Elios ça marche pas bien. Hein. Pas en combat réel. Nya! Ah putain, ça sert à rien en plus. Putain, j'étais convaincu pourtant. Ok, donc celle la priorité. Celle la priorité. Let's go! Allez, doublon! Et avec la chance que j'ai, ça va être un triplé. Aïe! On y retourne! On a rien vu. Allez, laisse-toi faire. Les chignons, on a dit, les chignons. Et voilà. Chichich kebab. Chiche ou pas chiche kebab? Si, c'est bon. Est-ce que ça t'intéresserait de jouer à Legacy of Kain? C'était une très bonne saga. J'ai jamais joué à Legacy of Kain. En tout cas, pas de souvenirs. Je connais. Un petit peu. On incarne un vampire qui est mort et qui a ressuscité, je crois. Mais je sais pas. Peut-être, peut-être pas. En fait, je peux pas vous faire forcément de promesses parce que tout va dépendre de l'évolution de la chaîne, des réseaux sociaux, de comment on va avancer dans le temps aussi. On verra d'ici là. Nya. Ok. On est dans la salle. Ah oui, où il y avait la flamme tout à l'heure. Nickel. La flamme et surtout la boîte de Pandore. Ok. Y'a rien de plus à faire ici? Attends, vraie question. Parce que du coup, si là faut monter l'escalier pour atteindre. Ah merde, ça a été fermé. J'allais dire pour atteindre la boîte. Mais qu'est-ce qu'il y a sur le balcon? Mais en fait, ils ont fermé le balcon. C'est malin. Le problème, c'est que c'est un peu vieux. Un remake de l'histoire pourrait faire mal. Comment ça, un remake pourrait faire mal? En vrai, Legacy of Kain, oui, c'est une vieille licence. Et il y avait pas mal de fans, hein, notamment des fans qui ont retravaillé les vieilles versions pour en faire des versions potables, ajustées, remasterisées. Je sais qu'il y a un travail de texture qui a été fait sur pas mal de points. J'avais suivi quelques vidéos de Atomium,
si jamais vous connaissez pas. Excellent, excellent, excellent créateur de vidéos. Streamer, vidéaste. Et il a travaillé chez JVC. Et d'autres. Mais bref, pour revenir sur Legacy of Kain, je sais qu'il y a des, il y a différents travaux qui ont été faits sur le jeu. En tout cas sur les jeux. Et je sais pas ce que ça vaut aujourd'hui. Si c'est que visuel ou si c'est l'ensemble qui vaut le coup. Mais s'il faut, demain on aura un remake de la licence. Hein. Pourquoi pas hein. Pourquoi pas. Mais je sais pas. Là comme ça, je veux rien vous promettre. On fera ce qu'on fera en temps et en heure. Alors, messieurs, dames, de toute façon, même si on a la boîte, on peut pas l'ouvrir. Donc, qu'est-ce que ça va faire de beau? Let's go! Oui? Ah d'accord! Et bah c'est très clair ça, dis donc! Bon, en gros, je crois que les trois juges en dessous, ils sont pas trop d'accord avec ce qu'on fait. Et il va falloir qu'on s'en occupe avant de revenir activer le mécanisme. Ce qui expliquerait pourquoi est-ce qu'ils avaient des cailloux bleus derrière la tête. Et potentiellement qu'une fois que j'aurai la dite capacité qui nous permettra d'éclater les cailloux bleus là, faudra qu'on retourne chercher si on peut. Attends. Il y avait... Il est où l'escalier? Il est là. Ouais. Il y avait tout à l'heure, vous savez, on a trouvé une pièce secrète avec trois coffres et un caillou bleu. À mon avis, une fois qu'on aura la capacité, on pourra revenir et éclater caillou bleu pour obtenir un truc. Sûrement un truc bien. Oh, genre. Y'a un truc là. Oh, y'a un truc là. Non. Oh merde. Moi, j'étais quasiment sûr, hein. Tant pis. Ils ne veulent pas de Kratos dans leur équipe. Eh ben, on va les forcer à me prendre, tiens. Oula, bonsoir. Nya, Speedy Gonzales. Bouya. Oh oh. Nya. Oula. Sors de là. Non, j'avoue qu'avec toute la maîtrise qu'on a obtenue, ils sont bien plus simples à gérer qu'avant. Oh, mais nique-toi, toi là-bas. Nya! Bleu! C'est bon? Ils me font chier. Ils me font chier. Nya! Ok! Ça, ils t'agressent moins directement. Hein. Genre, ils sortent, mais ils sortent pas directement devant toi. Hein. Nya! Le jeu est plus souple. J'avoue que juste pour ça, c'est quand même un sacré plaisir. Je pense que je vous ferai un top à la fin de mes 3 God of War principaux préférés dans l'ordre. Le 1, 2, 3, hein, pas les Chain of Olympus, Ascension, tout ça. Nya! Bouya! Oh! Oh! Trop bien celle-là! Magnifique! Magnifique! Bon, même si je pense que vous doutez que le premier sera pas mon préféré pour le coup. Oh. Mais avec Helios en lampe, en fait, il y a toute une partie exploration, une partie lore à découvrir, en fait. Parce qu'il y a des tableaux et tout, si tu t'arrêtes 2 secondes pour regarder, c'est magnifique. Ok. Et rien d'autre. Ah, une save. On en est à 51 minutes, messieurs dames, on va continuer encore un petit peu. Mais je pense qu'on est doucement mais sûrement sur la fin de cette VOD. Pour enchaîner sur une autre pour nous. On a le temps aujourd'hui. 3 épisodes, oula, il va se passer un truc. Il va se passer un vrai truc. Attends. Ça sent le titan là. Ça sent le vrai combat de boss, ça sent le bouézé. Je pense pas que Zeus fasse une intervention là maintenant tout de suite, même si j'avoue que le décor est propice à ça. Coffre, fait demi-tour. Coffre aux escaliers. Ah bon? J'ai regardé, j'ai rien vu. Elle est cachée dans un mur. Cachée où? Ah mais oui! Oh putain, j'avais pas vu!
Ah, vous êtes bon, hein. Vous êtes très 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 bon. Let's go. Ça fait tellement 1000 ans que j'en ai pas vu. Je devrais avoir augmenté ma barre de vie déjà. On y va les casemins. On y va, hein. On met fin à cette VOD avec ce supposé combat de boss. Allons-y. Bravo! Bravo! Notre héros est arrivé. Applaudissez tous ce rejeton bâtard de Zeus. Juste à temps pour le final. Hera. Tu as une sale mine, très cher. Tu cherches encore à tuer mon époux, j'imagine. Tu sais que je cherche à me venger de Zeus. Difficile de te condamner. Depuis que tu as tué mon fils Arès, la peur qu'il éprouve pour toi le dévore. Ses peurs seront sans importance quand il sera mort. C'est indéniable. Hera, je cherche l'enfant Pandore. Pandore ? Cette misérable petite créature que mon fils Héphaïstos a créée. Eh bien, nous ne pouvons pas te laisser faire, mon cher. Détruis-le. Oh, ça pue. Oh, ça pue. Oula. Ouais. Salut, mon frère. Ça m'aurait étonné. Ne te mêle pas de ça, Hercule. Pourquoi pas? Tu as toujours été le préféré de Zeus. L'atmosphère de l'Olympe te brouille l'esprit, mon frère. Zeus ne privilégie personne. Réfléchis un peu. Alors que je devais nettoyer les écuries d'Augias, c'est toi qui l'as choisi pour supprimer Arès. Tu n'es pas convaincu? Que penses-tu de cela? Tandis qu'on te sacrait dieu de la guerre, on m'envoyait chercher des pommes. Ils appellent ça des travaux. Ha! Il m'a peut-être laissé terrasser le lion de Némée, mais il t'a donné la reconnaissance auprès du peuple. Un guerrier féroce, un assassin devenu héros, un homme devenu dieu. Mais cette fois, mon frère, cette fois, je vais t'anéantir. Ce sera le dernier de mes travaux, le 13e. Ce sera bientôt moi, le dieu de la guerre, une fois que je me serai emparé de ton trône. Tu aspires à être un Olympien, mais leur règne est fini, Hercule. Ça, c'est ce qu'on veut. Bon, eh ben, let's go booter Dwayne Johnson. Allons-y. Ok, 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 on l'a vu venir en vérité, hein. On l'a vu venir, on l'a vu venir. Le chat était tout émoussié à chaque fois que j'utilisais le mot d'Hercule. On y va. Ok. Et apparemment le combat va être bien. On y va. Énervé comme ça, ja. On en veut. Quitte à chanter du Vaiana pour la tirer. Oula. Nya. Je vais lui faire une The Rock, il va voir. Ouais, ça va, ça va, ça va. Arrête de parler, la vieille. Bon, effectivement, j'avais pas pensé à Hera. Il est vrai. Il est vrai, il est vrai, il est vrai. Purée, si jamais j'avais pas loupé de coffre, j'aurais de la vie en plus, je suis dégoûté. Ah, oh. Wouah, c'est quoi ça? Je les veux. Je les veux. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est les sœurs jumelles de Rose. De Rosa. Donne. Donne les sœurs jumelles de Rosa. Donne les sœurs jumelles. Oula, 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 oula. Toi, tu fais mal. Toi, tu fais mal. Si je te touche, tu fais mal. Donne les sœurs jumelles. Aïe, de Rosa. Voilà. Y'a quoi? Oh, 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 oh. Toi versus moi. Toi versus moi. Tu veux faire le plus fort? On va faire le plus fort. Là. Let's go. Voilà pour le... Ah, oh. Ah, oh. Ah, oh. Ok. Putain, par contre, les ennemis random à côté, j'avoue qu'on pourrait quand même s'en passer, hein.
Allez, chacal, et viens me battre comme un homme. Et pas comme un dieu. Ils ont pas de couilles, les dieux. Oula, et pas de jambes pour certains. Et même pas de... tête. Nya. Ça me hurle dans les oreilles, c'était... ça me hurle dans les... oh, oh, aïe, 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 dans les oreilles. On y va. Esquive. Nya. Fouya. Oh la vache. Putain, le tournicotis, tournicota, je crois que c'est la pire attaque, hein. Parce que tu finis par rien pouvoir esquiver, c'est chiant. Allez. Ah putain, il me la met, hein. Il me la met bêtement en plus. Yahoo. Ouais, tu vas m'écraser, tu vas m'écraser, y'a pas de problème. De toute façon, vu comment c'est parti, voilà, tu vas vraiment m'écraser. Ok. Bon, par contre, je dis ça, je dis rien, mais il y en a quand même un peu marre dans le jeu vidéo des boss accompagnés de toutes ces merdes autour. Non, vraiment, c'est chiant. C'est le boss qu'on veut, pas ce qu'il y a autour, on s'en fout. Genre, ils sont là que pour casser la tête. Oh, c'est Hercule, les gars. Donnez-moi Hercule, juste Hercule. Alors oui, il est badass. Oui, il a l'air puissant. Il est puissant. Oui, il est très stylé, d'ailleurs. J'aime beaucoup la version qu'ils en ont fait. Un peu gradu, que sur les bords. Ok, ça passe, ça passe. Nya. Mais par contre, vraiment, genre les petites merdouilles là qui l'accompagnent et qui font que je vois rien à l'écran. Flemme, genre c'est chiant. Toujours pareil. Putain, regardez. C'est même pas... mais bordel. Oh. Oh, il y a trop de monde. Et du coup, je me prends des beignes parce que je m'occupe de la merdouille. Et que... oh la vache. Et que lui, bah, il en profite. Allez, ça craque. Ça craque. Ok, on y va. Go, 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 go. Bouya. Hercule, il est bête comme un poireau. LOL. Ça fait des blagues comme ça, dis donc. Putain, mais quitte à me mettre la mêlée générale, franchement, faites en sorte que ça me monte de la vie, quoi, je sais pas. Allez. Il va me les donner, ces points, je vous le dis. On les veut. Oh oh, esquive. Parce que ces attaques, elles sont toutes pétées en plus, hein. Enfin, pour l'instant. Bleh. Allez, allez. Bleh. Oh oh. Allez, double coup, on connaît. Ah, mais vous m'emmerdez autour. J'arrive pas à affronter Hercule, bordel. Ah. Esquive, 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 c'est bon. Aïe. Ouais, je sais, je sais, je sais. Tu le répètes depuis tout à l'heure. Effectivement, con comme un poireau, hein. Ah, il craque, il craque. Phase 3. Allez, 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 allez. Et on veut ce mur-là. Ouh. Le coup de genou. Ouh. Ah, il a plus de cheveux que Dwayne Johnson, ça dit. Il a raison, il a raison, non, je suis d'accord. Voilà. Lui versus moi, enfin. Enfin. Oh, un combat de couilles. Oula. Nya. J'utilise un arc, hein, cela dit. Et je suis le premier à parler de couilles, c'est débile. Alors, est-ce qu'une flèche de feu... non, ça touche pas. C'est marrant, mais son combat me rappelle un peu celui de Thésée quand même. Nya. Ok, on tient à mi-distance. Nya. Ok. Ça sert à rien, je sais même pas pourquoi je continue. Merde. Oh oh, oh la vache. Oh, oh merde, 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 merde. C'est bon. Ok, 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 ok. J'ai déconné tout seul, j'ai déconné tout seul. Ok, ça touche. Nya. Nya. C'est bon là. Oula, qu'est-ce qui se passe? What? Oui. C'est terminé? Déjà? Non, pas déjà. Non, pas déjà. Tiens. Alors, petit frère, on a perdu ses couilles sur le champ de... oh, bataille. Aïe, 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 je m'y attendais pas. J'admets, je m'y attendais pas.
Le coup du Moulinax, j'étais pas prêt. Attendez. On se le refait. On va se le faire. Par contre, il m'a bien donné son point et ça, c'est cool. Mais tant qu'à faire, je te prendrai bien les deux. Yes! Allez. Non, c'est mon petit frère. Rien à foutre. C'est mon petit frère. J'en ai une plus grosse, donc c'est lui le plus petit. On y va. Nya! Ok, on fait attention. Le Moulinax. Oh, c'est traître, ça. Oh, c'est traître. Oh oui, les deux. Oh, les deux. Oh là. Oh là là, il passe en mode Hulk. Oh, oulala. Ok, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là! Bon, il reste mignon quand même. Oh là là. T'es adopté! La vie de ma mère, t'es adopté. T'es un peu vert sur les bords. C'est pas normal. Calme-toi, Banner. Oula. Ah! Oh la vache. Oh, les câlins familiales, ça manque pas. Hein. Allez, bouh. Esquive. Par contre, j'avoue que dans la mise en scène, c'est stylé. C'est très stylé. C'est pas forcément le combat le plus vénère en termes de difficulté. Parce que je crois que Poséidon était quand même vachement au-dessus avec son aquaponé là. Dites-vous que le prologue est plus dur que le reste du jeu quand même. Allez! J'ai dompté Rosa! Je dompterai tes petites sœurs! Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, jette-moi le mur. Let's go! Non! Lâche-moi! Purée! Skip! Aïe! Je fais pas gaffe à ma vie, hein. S'il faut, il me déchire depuis une heure. Non, ça va. En vrai, ça va. Skip! Oh là là! Oh! Non! Casse-toi! Il est mort. J'ai vu, il y avait un QTE. Il est où le QTE? Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, quand même. Ah, pas un dieu, hein, mais il a ce qu'il faut, hein. Allez, on y va. Allez. Ok. Allez, les filles. Go se taper le petit frère. Oh, c'est stylé. J'admets, c'est la meilleure mise en scène de boss depuis le début. Je crois que tu es mort. Plouf. Même pas mal. Bloup. Je dirais même plus. Bloup. Bon! Vous avez récupéré le ceste de Némé. Juste un zeste! Va sous Hercule dans l'eau. Ah, attendez. Forcément, on m'avait dit. Voilà, les trésors qui se trouvent juste à côté des boss. L'épaulette d'Hercule, messieurs dames. Incroyable! On lui a refait le portrait. Ah bah là, il est prêt pour la photo de classe. Hein. Là, il est tout beau, tout frais. Hein, mon mignon? Du coup, il nous faut un nom. Oh là là. Oh ça va être incroyable. Mais on m'avait prévenu, hein. On m'avait dit que j'allais être régalé avec ce qui arrivait. Hein. Est-ce qu'on peut me rappeler le nom des deux autres murs dans SNK? Ou alors trouvez-moi un truc, parce que là, il y avait trois murs dans SNK. On a donné un premier nom au point de Chain of Olympus avec Rosa. Alors il y a un R1 quelque part, je le vois pas. Là. Ah oui, quand même. Yes. Mais du coup, si vous vous rappelez, il y a deux autres murs. Effectivement, il y a le mur Maria. Mais l'autre, je sais plus c'est quoi. C'est pas Senna ou un truc comme ça. Maria et Senna. Est-ce que ce serait donc les points Maria et Senna? C'est les méga Rosa. Ah, moi j'aime bien. Maria et Senna. Comme ça, la boucle est bouclée. Et du coup, attendez. Parce qu'il faudra les améliorer à un moment. Il me manque un pouvoir et c'est fait en fait. Déjà. Déverrouiller la lacération cruelle.
Ah, les bottes d'Hermès aussi! La boutade d'Hermès. La tête d'Hélios. Dégâts augmentés. En vrai, pour le moment, full focus sur les lames, hein, toujours. Mais à un moment, on va dériver et on va se faire Maria et Sina. Let's go! Let's go! Oh, je suis content! Ah, les points, j'avais bien kiffé. Le point, j'avais bien kiffé. Mais alors, les points, oh là là. Là, vous me sortez les arguments, mais les arguments. Bon, j'avoue, le boss était très, 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 très cool. Pas forcément difficile. Par contre, les boss qui sont accompagnés de plein de petites merdouilles, j'ai beaucoup de mal. Parce que, en fait, la difficulté, c'est pas le boss en lui-même, c'est tout ce qui l'entoure. Et on l'a bien vu, hein. Une fois qu'on s'était débarrassé de toutes les petites merdouilles, le boss, on l'a terminé, en fait. Sans vraiment galérer, hein, à peu de choses près. Rugissement de Némé. Tapez sur le sol à l'aide de votre zeste pour créer une onde explosive. Juste un zeste alors. Juste un zeste. Oui. Le zeste de citron de Némé. La limonade de Némé. Let's go. Mon dieu. On va pouvoir faire un bar à côté de la cuisine. Et les gens paieront une fortune. Parce que ce sera marqué fait maison sur la carte. Et quand c'est fait maison, ça vaut cher. Argument de merde, hein. Argument de merde. La plupart des choses que vous trouvez avec marqué fait maison, souvent c'est du décongelé. Ou alors c'est sorti d'une bouteille Rapidos. Les zestes de Maria et Sina. Un zeste de carotte. Utilisez le zeste pour briser les objets en onyx. Oh oui, hein. Ça marche ou pas là? Allez, voilà. Juste un zeste, juste un zeste, juste un zeste. Ok. Donc c'est les points qui vont me permettre de fracasser tout ce qui est bleu. Let's go. Go monter un business, hein. Go monter un business, hein. On appelle Heisenberg, on lui dit qu'on a de la nouvelle méthamphétamine, un peu plus au-dessus si tu veux. Pas sûr que les hommes en survivent, mais... let's go, hein. Le plus gros business, c'est maintenant. Et bienvenue, Renard D54. On va monter un business avec Heisenberg. Alors, juste un zeste. Ah, ça veut pas. Ça veut pas, je suis dégoûté. Ah, et maintenant, je peux briser les boucliers. Oh oui. Oh oui. Mais alors, juste un zeste, hein. Juste un zeste. Par contre, du coup... Je crois que le sort pour taper au sol là, ça consomme de la mana en fait. Ah, d'accodac. Let's go. Ma mama. Ma mama. Je vous aime les filles. Je crois que vous êtes le meilleur argument qu'on ne pourra jamais avoir dans ce jeu. Si ce n'est le boss ultime. Qu'on a toujours pas croisé, hein. J'ai un peu le mort, hein. Normalement on croise les vases toujours en début d'aventure pour bien chauffer. Et là, là toujours rien, ça ne va pas du tout. On a le titre de l'épisode, juste un zeste. Juste un zeste. Ah, attendez, du coup on a le zeste, la griffe, les lames. Et je voudrais bien qu'on trouve une zone de save. Là j'ai pas trouvé encore. Donc pour le moment j'ose pas trop couper. Après en vrai on en a 1h10, hein, c'est pas énorme. Chaque arme a son pouvoir. Ouais c'est stylé, hein. C'est stylé. J'aime bien le concept. Alors on fait attention. Il n'y a rien dans l'eau, on est d'accord. Je ne vois rien pour le moment. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Par contre Hera, il va falloir qu'elle bouffe, hein. D'une manière ou d'une autre, hein. On peut pas la laisser comme ça, hein. Le vase était manquable dans les anciens. Dans celui-là tu vas kiffer. Oh cool. Let's go. Corne de Minotaure. La chambre de Poséidon. Pandore. Pinocchia. Oula. Un Graou. 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 Ah j'ai pas l'attaque chargée. J'essaye de faire le coup de poing chargé mais on l'a pas. Autant pour moi. Bleh. Ah je kiffe. Ah je kiffe. On y va. Ah merde. Ah bah non forcément. Mais non. Mais non. On peut pas on peut pas jouer avec Pétunia parce qu'elle brise pas les boucliers. Merde!
Let's go! Ah, par contre, j'ai pris cher. Hein. Let's go, augmenter les points dès que possible. C'est bon là? Fais-moi les malins! Bonsoir. Je te connais, toi. Par contre, t'es différent de ceux que je connais. T'es pas le Thibaut originel. Le Thibaut d'origine. Celui qui avait les plus gros muscles. Mister Univers! Allez! 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 Eh bah dis donc! Bon! Messieurs, dames. Attendez. Non. C'était tout juste, mais on est passé. Fin d'épisode 4, j'avoue c'est un petit peu brutal, j'aurais bien vous laisser dans une phase, enfin j'aurais bien aimé vous laisser pardon, dans une phase plus calme. Malheureusement, c'est le premier point de save que je trouve, et si on veut avoir l'occasion de se faire 3 épisodes aujourd'hui, il vaut mieux qu'on coupe ici pour enchaîner directement sur un nouvel épisode à venir. YouTube, j'espère que ça t'a plu, on a botté encore et toujours du cul divin, on a récupéré des armes divines, on a... 8600 points d'orbe rouge. Dans l'épisode prochain, normalement, on max les lames de l'exil. Et puis par la suite, on va s'occuper de Maria et Sina. Allez, de gros bisous, YouTube! Ciao, ciao!